On va passer 3 jours ensemble pour ce 2e barcamp de l'OFAGE à discuter sur la thématique les jeunes et la politique. Le principe, c'est que tout le monde est acteur de ce qui se passe. C'est la forme la plus ouverte de participation collective et c'est ça qui m'intéresse dans ce format-là, comme dans les forums ouverts par exemple, c'est qu'on est ensemble pour faire émerger quelque chose. On est acteur vraiment de ce qui se passe. Das heißt, es beruht sehr auf Eigeninitiative der Teilnehmer. Das heißt, sie bringen ihre eigenen Themenvorschläge ein. Animieren die Workshops oder die Diskussionsrunden und wir als DFJW, als Organisation, stellen ihnen lediglich den Rahmen. C'est souvent ce qu'on va sembler. Et de montrer le contraire, je trouve ça intéressant parce que justement ça va à l'encontre des idées reçues. Mais après, face à la question économique, on peut aussi tout simplement donner l'argument sociétal. C'est une sorte de responsabilité humaine de s'engager pour les vivre ensemble et pour un vivre ensemble comme fin en soi et pas comme fin pour des profits économiques. Donc on avait 15 au total pour la journée d'hier, 15 moments de discussion et donc 15 thématiques différentes. Was ist ein guter Präsident? Was ist eine gute Präsidentin oder Kanzlerin, Kanzler? Sur l'équité démocratie. En quoi la politique peut-être changer la société? Démocratie en Europe. Est-ce que c'est la société qui change la politique ou la politique qui change la société? Donc la question s'est retournée dans les deux sens. On n'a pas trouvé de réponse, mais on a pu discuter longuement à ce sujet. Alors moi, ce qui m'a attirée, ce qui m'a poussée à candidater pour le Barcamp, c'était la forme en fait, c'était quelque chose de complètement nouveau, et l'utilisation des nouveaux médias. Alors je pense que l'avantage, c'est qu'on peut suivre plusieurs discussions en même temps, parce qu'on est dans une salle où on discute, mais en même temps, je peux lire sur Twitter ce que les autres discutent dans d'autres salles. Et même si je veux réagir en envoyant un commentaire par Twitter dans l'autre salle. C'est du live tweet exactement. Nous, ça nous permet aussi de faire une synthèse finalement de ce qu'on entend. Die Leute nehmen das wirklich sehr gut an. Also muss man sagen, jeder hat fast da irgendwie einen Laptop dabei oder sein iPad oder sein Telefon, mit dem er sich an diesen Diskussionen jetzt, an den Webdiskussionen, sag ich mal, beteiligen kann. Ces jeunes-là ont cette faculté à en même temps discuter, en même temps écouter, en même temps faire des recherches sur Internet et sont très polyvalents dans ce sens-là. Mais ce qui est intéressant avec les réseaux sociaux et même c'est intéressant avec le téléchargement, etc., etc., c'est finalement l'accès aux informations à tout le monde, c'est-à-dire une démocratisation des informations. Das finde ich eigentlich fast ein demokratisches Moment, dass nicht bloß diejenigen, die Zeit und Geld haben, an sowas teilzunehmen, sondern alle anderen sich auch in die Diskussionen mit ihren Thesen mit einschalten können. Je vote, donc je suis. C'est une porte d'entrée, c'est-à-dire que c'est un slogan qui amène à discuter déjà en lui-même. Das Thema ich wähle, also finde ich schon sehr weit gefasst. So dass man eine sehr große Bandbreite von Themen einfach diskutieren kann, ob es jetzt um TV-Sendungen geht oder ob es um die aktuellen Wahlen geht. Et l'intitulé du Barcamp Je vote donc je suis est intéressant dans une période électorale où justement en France on s'inquiète d'une possible forte abstention des jeunes. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus à cette rencontre qui a donc pour thème les jeunes et la politique. Comment, précisément, ces deux termes, jeunesse et politique, font bon ou mauvais ménage des deux côtés du Rhin? Nous avons voulu proposer une plateforme d'échange qui permet évidemment de confronter les points de vue en les élargissant aux pays voisins. Et nous l'avons fait dans un format tout à fait particulier, le Barcamp. Für uns als OFAGE ist es ein gelungener Teil einer Erprobungsphase in der deutsch-französischen Jugendarbeit. Die in Zukunft gerade auch mit Blick auf das 50-jährige Jubiläum des deutsch-französischen Freundschaftsvertrages und des runden Geburtstages des DFJW im nächsten Jahr weiter getestet werden kann. Ich denke, eine Zusammenarbeit muss immer so aussehen, dass man wirklich gemeinsam überlegt, wie können wir die Probleme, die wir gerade auch auf europäischer Ebene haben, gemeinsam lösen. Zwischen Deutschland und Frankreich finden da auch bei der Grünen Jugend
viel Austausch statt. Auch gerade an der Grenze machen die Ortsgruppen sehr viel. Und wir sind ja auch im Europäischen Dachverband organisiert und da findet auch sehr viel internationale Arbeit statt. Mais voilà, à l'approche d'échéances importantes, on voit qu'il y a de plus en plus de retours de jeunes qui ne partagent pas forcément notre avis, nos opinions politiques, mais qui ont simplement envie de s'engager. Et donc la politique, le fait de prendre parti, ne serait-ce que pour un candidat, c'est déjà un premier pas dans une sorte de citoyenneté. Je ne crois pas à une dépolitisation de notre génération, une dépolitisation plus forte, j'y crois pas. Par contre, je pense que c'est les formes d'engagement qui varient, et aujourd'hui, il y a peut-être plus de gens qui s'engagent autrement, ou alors qui sont frustrés. J'ai rencontré hier et aujourd'hui beaucoup de gens qui ont envie de s'engager, mais qui ne trouvent pas de forme. Et le problème, il vient plus des partis politiques et de l'offre et de la manière dont on milite. Dann habe ich den Eindruck, es gibt sozusagen eine politische Elite, es gibt auch eine deutsch-französische Elite, die wir hier abgebildet sehen, und die erreicht mit ihrer Sprache den normal jungen Menschen nicht so leicht. Also viele fühlen sich ausgeschlossen, allein schon durch das Wissen, was notwendig ist, um die Systeme zu begreifen, und durch die Sprache, in der die Dinge abgehandelt werden. On s'intéresse à la politique différemment qu'autrefois, notamment en ce qui concerne les jeunes, de manière beaucoup plus concrète. Die Hinwendung zu punktuellem Engagement, zu der Teilnahme an Demonstrationen, oftmals auch Gegendinge, zum Beispiel gegen einen Bahnhofsbau. Also man muss sehen, was es da für Ressourcen auch gibt, innerhalb der Jugend teilweise, für bestimmte Themen zu engagieren, sich für bestimmte Themen einzubringen. Je trouve que les gens ont toujours envie de s'intéresser, particulièrement les jeunes. Les jeunes sont très présents sur le net, dans les réseaux sociaux. C'est des gens qui sont extrêmement informés. On est surinformés aujourd'hui dans la société d'aujourd'hui. Die drei Hashtags, die meiner Meinung nach das Barcamp am besten beschreiben, wären einmal Meinungsverschiedenheiten, Diskussionen und Engagement. J'ai bien fait aussi la découverte du défi de trouver un mode de discussion juste et bien équilibré. Pour le prochain forum, on se rend un peu plus compte d'une discussion juste pour renforcer encore la participation, ce qui est vraiment la clé de notre échange.